la lettre sur les réseaux sociaux du nouveau commandant de la police de circulation routière, interdisant à 2 semaines qu'il rattraque si au parc moto ou véhicule au bord de la route. Et il a bien signalé d'ailleurs les artères, en tout cas. La mesure n'est pas du tout mauvaise, hein, elle est bonne, puisque c'est notre ville de Vol-Aimé. Il fallait aussi une grande sensibilisation, vous savez aussi la mentalité, mais la mesure est bonne. Hein. Il fallait une sensibilisation, une éducation civile, une éducation civique, une éducation de tous, puisque le message n'est pas arrivé jusqu'à la base. Maintenant, il fallait qu'on continue la sensibilisation, surtout que la mairie de Boutembourg et la ville, on n'a pas prévu les parkings, hein, les parkings là où mettre les motos. Et ou bien on construit des boutiques sans mettre les parkings, ça le problème. Donc il faut beaucoup de sensibilisation. 2 semaines, c'est insuffisant, puisqu'il fallait nous appeler d'abord, nous les utilisateurs, pourquoi vous parquez là-bas? Et puis on explique. Après, on prend une solution d'ensemble. Donc 2 semaines, en tout cas, c'est insuffisant. Qu'on nous appelle, qu'on discute les prix ensemble. Oui, il n'y a pas de parking. Il fallait maintenant une collaboration qu'on m'a invité, et puis respecter sens unique, et respecter les parkings, respecter les robots roulages, les signaux. C'est une tâche hein, pour les autorités, mais nous, on est d'accord. C'est très beau, vraiment, pour les espaciers et les artères principales. Ce n'est pas la première fois. Nous sensibilisons. Hein, c'est avec les commandants ville de la police qui est ici. On est passé même sensibilisé sur base, mais il faut qu'on nous appelle, puisqu'il y a aussi malentendu sur. Sur